sont déjà à presque 6 mois de test et les gens aiment. Ils sont satisfaits. Les gens aiment en fait au premier abord. Le premier abord, il y a une crainte. Mais quand on arrive, on se rend compte qu'en fait, c'est une structure qui flotte. Donc, les gens commencent à aimer. Et quelques... On a déjà deux pêcheurs qui sont en train de utiliser la technologie au fur et à mesure. Alors, la collecte des bouteilles en elle-même, elle se fait comment? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que vous payez les gens pour le faire? Est-ce que ça se passe comment, la collecte, de manière concrète? Voilà, il faut noter qu'à Madiba et Nature, nous sommes une start-up sociale. Oui. Dans l'environnement surtout. Alors, nous avons un service de volontariat que nous lançons de temps en temps à Madiba et Nature. Nous invitons des personnes anonymes, nous sommes plus sur les réseaux sociaux pour sensibiliser. Nous avons un volet axé sur l'éducation environnementale. Donc nous avons des volontaires, nous recrutons aussi parfois des enfants qui sont un petit peu défavorisés, ceux qu'on appelle Nagabokou. Beaucoup. Donc alors on leur propose de travailler avec nous, ils vont collecter des bouteilles, que ce soit dans les ménages ou bien dans les. Nous avons nos ponts là, dans notre pays, c'est souvent vraiment trop sale. Ça nous fait mal au cœur. Alors on organise des big clean-up. Actuellement, nous avons lancé le projet de la Green Eco. C'est un challenge à Madiba et Nature où nous proposons de nettoyer tous les ponts, les trains, et de valoriser ces bouteilles pour en faire des pirogues. Et ces pirogues que nous aimerons pouvoir les offrir, les donner ou les vendre, si vous voulez, aux pêcheurs, dans les plans artisanaux, les lacs, les rivières, les fleuves, et pourquoi pas en mer également. Quel est l'écho, je pense qu'on va sortir par là, quel est l'écho de vos réalisations sur le plan international jusqu'ici? Alors, sur le plan international, c'est vrai que c'était notre cible, puisque l'environnement c'est global. Sur le plan international, nous sommes déjà avec un certain temps suivi par beaucoup de médias qui apprécient nos idées. Voilà, qui nous puissent en via notre page web, via notre page Facebook Madiba Nature. Nous avons été notamment publiés tout récemment le 2 août par France 24 et toute l'agence, l'ensemble des chaînes de télé qu'ils ont, à savoir les CGT, les chaînes chinoises. Alors, nous avons été publiés aux États-Unis, notamment par One Green Planet, qui reprend, qui écrit beaucoup d'articles sur Madiba et Nature déjà. Nous sommes suivis par beaucoup de blogueurs internationaux qui nous suivent. Et actuellement, nous travaillons avec des journalistes du journal Le Monde. Voilà, des journalistes, des correspondants de Reuters. Vous savez, c'est la plus grande agence de presse. Alors, ils suivent sur le terrain. Ils couvrent actuellement notre projet à Douala, puisque nous travaillons actuellement sur le grain du café cité. C'est près de 50 000 bouteilles que nous allons valoriser.